Ça fait quelque temps, on a suivi la déclaration pour les membres du secteur démocratique. Et on a une déclaration qui a fait qui te paraît paradoxale. Le fait qu'on a côté de monsieur qui a demandé Rachel Mayorque sans condition, ne voulait pas aller pour l'aller. Et on dit, monsieur, ne va pas demander Jovenel aller sans ne pas chiter avec lui. Parce que même si l'État va mourir, même si l'État va mettre clé en bas pour le plan Jodia, ne va pas entrer dans le palais national Jodia. Donc, ça, c'est une déclaration faite dans le temps. Est-ce que vous pensez que vous avez raison trop tôt et c'est après ça que même membre du secteur démocratique, là, t'as pas décrit ou même éjecté de structure là quelque part, mais on t'est sorti personnellement. Mais bref, nous voulons retourner sur déclaration ça, on t'a dit, monsieur, même si le président mourit, nous ne pouvons pas entrer dans le palais national comme ça. Bon, effectivement, on passe le temps, une bonne raison par rapport à déclaration ça. Mm-hmm. Et on ne peut pas parler de pochita que je venais obligatoirement, on t'a caché ta velle. Monte qui a fait négociation indirecte. Ça, au fait, quand il y a un cadre de négociation de l'Iran avec les États-Unis, il n'y a pas chez ta face à face, mais il y a un intermédiaire qui fait, qui discute en bagaille. Même d'aller plus loin que ça, que chez ta avec direct ou indirectement, mais aller plus loin, je me dis que même si tu as mouru, et je me précise ce que je ne t'ai pas souhaité. Mm-hmm. Et parce que vous m'avez dit, et ça que tu es arrivé à, que je te connais. Mais je me dis, pour qui ça, c'est parce que l'on a une situation comme ça, pas une solution constitutionnelle. Et dans la crise, c'est une solution politique liée. Et le monde qui parle de pouvoir, il faut qu'on légitimité, on gagne légitimité. Ça veut dire qu'il faut gagner le plus de secteurs possible qui permettent nous et d'accord sur qui ça nous va le faire. Mais deuxièmement, à l'intérieur de l'opposition, étant donné qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs franges, et chaque monde a une position par eux. Alors ça nous relève l'opposition dans l'opposition. L'opposition. Je parle de l'opposition dans l'opposition parce que ce n'est pas une opposition qui fait façon l'autre. Il y a chita parler. Mais au chaque proposition par rapport à Jean-Otto et crise. Quand il y a l'envie de nos situations comme ça, si l'opposition en tant que telle, pas chita, dialogue vous dit qui ça a fait ensemble en tant qu'opposition, avec Dipouna Chita, avec l'autre interlocuteur après, là, pas très difficile. Et il y a un document, secteur démocratique, qui est écrit. Là, on te parle de conférence nationale, là, on te parle de conférence nationale inclusive, on te parle de l'autre gouvernement, on te parle de gouvernement inclusif, on te précise dans le document que même PHC a fait chita avec, parce que l'autre Haïti a fait, on va que personne n'a pas exclu. Donc, là, ça, bon, il y a trop d'émotions qui viennent dans la question, et qu'on est revenu en compte, parce qu'on est en phase, même si on remet le clé là, qu'on est pas la voilà, même si on a le clé dans le cafou à Chanmas, on va pas rentrer comme ça. Ça n'est le cas, aujourd'hui. Donc, c'est ça qui montre la nécessité. Faut gen chita. Et je dis encore, yon mois, plus qu'un mois après le président fin mouri, gade na ki point que nous y est. Donc, et surtout, bah, qu'on est, parce que c'est pas ma cap diriger et débat là, qu'on y a là, mais surtout, nous avons une situation de turbulence toujours. C'est pas le fait que le président parle ou que le président mouri qui monte une situation normale. Calme qui gen là, son calme qui est apparent. Parce qu'il y a trop d'incertitudes autour de ça. Et incertitudes, par contre, qui ne sont pas débouchées. Ou non, période, tout côté crise sociale, lui a pas gravé, crise économique a pas gravé, population qui fait silence, l'abtonne, pour nous qui rapidement, ça n'a fait, mais là, on peut combien de temps. C'est ça qui fait que Monique Tabzi, c'est pas même une calme, si on attend. En nous font-il retour dans l'histoire récente de la crise, sénateur Kédé Bastien, nous passons une bonne période vraiment néfaste en termes de mobilisation, pays long, 6-7 juillet. Et toute notre mobilisation que nous connaissons, notamment que l'opposition plurielle globale, la TAP et MNN. Qu'est-ce qu'il y a pendant toutes ces années, on nous dit 4 ans et plus, l'opposition par exemple qui arrivait à proposer une alternative viable à la population, mais aussi à prouver l'incapacité réelle, avec une proposition réelle, donc de Jovenel Moïse. Raison simple, c'est que nous mettons mon avant-projet. Et laissez-moi nous mettre en avant pour qu'on ait qui est ce premier ministre, mais qui est ce président, avant qui soit fait en avant avec le pays. Là, c'est très difficile parce que chaque monde a un monde. Mais si vous mettez projet en avant, qui soit fait avec le pays dans différents domaines, et qu'on mette le chita, là, ça permet de avancer plus bien. Et là, on parle de ça, crise pays, comme on, pour tout le monde connaît, c'est à la fois conjoncturel et structurel. Ça veut dire qu'il y a une caractéristique problème pays, ce sont les inégalités. En résumé, social, économique, etc. Accès au travail, accès à l'éducation, accès à la santé, tout le monde a le même droit. Accès pour un côté pour été, accès à la sécurité, etc. Donc, si on va chercher cause ça, ou pas le ouais, il n'est pas venu avec PHTK. Il n'est pas venu en 86, il n'est pas venu en 90.
yo gen racine yo nan mode d'organisation société a et qui vinn permettre que yo gon sa ensemble d'appareil qui met ensemble idéologique répressif la justice la police etc., économique tout qui permettent yo kembe inégalité ça maintenant pour almayen faut qu'un pile monde qui chita et ça dépend de qui idéologie on comprend on pense elle permet ou aborder et chita ça t'a permet nous aller plus facile parce que son besoin société au besoin mété c'est pour société pour que ou dit roche nan de l'eau pour le compte de l'eau dans soleil son société au besoin mété toute roche qui dans soleil ou ca mouiller tout donc laisse ça accès à pour tout le monde qui a une possibilité pour vivre comme ça doit là pas permettre nous chita pour nous parler pour dire qui ça n'a fait maintenant le conjoncturel c'est qu'au gouvernement et un pouvoir depuis 10 ans qui pas une capacité pour porter changement ça et qui pour permettre que redresser situation pays et qui vient faire que au lieu situation améliorer li aggraver donc à la fois faut garder par rapport au pouvoir qui est en place ça mais faut garder tout par rapport ensemble de bagages qui pour faire qui aller au-dessus des questions idéologiques des questions partis politiques etc. Donc comme c'est moun nous met en avant chaque monde gagne moun pa yo il vient rendre difficile parce que projet depuis son projet collectif vous t'a mettez imaginez vous avez parlé d'éducation combien de monde t'a pas qui compte t'as compte sur stratégie mais l'accès à l'éducation qualité éducation disponibilité éducation ressources pour bien éducation combien de monde qui t'a pas compte ça même sous l'opposition même sous le pouvoir l'accès à la santé même gens ressources humaines médecins professionnels gens à toucher gens à travailler et disponibilité ressources technologiques qui permettent au bail plus bon qualité soins etc. Comment on peut transcrire ça dans le budget qui engagement parti politique qui apprend non bah comme ça c'est que même si dans 10 ans m'a bien 4 ou 5 présidents mais 2 ou 3 présidents mais dans 20 ans même qu'on ait que gros engagement nous toute ni classe politique ni société civile l'apprend nous dire dans budget pays par exemple budget santé budget éducation pas de plus bas que 4% ou 5% 6% PIB là ça me connaît que là nous entendons m'a pas discuter si me président si me sénateur sur stratégie pour nous arriver à atteindre l'objectif là mais un minimum que nous tous nous entendons sur lui ça y a pas de problème mais le fait qu'on décide avant qui est ce cap ministre chaque nègre ministre santé chaque nègre ministre éducation et mais là c'est pas comme ça pour poser problème non parce qu'il faut qu'on mandat avant ou pas qu'on ouais le dans journal yo konn di yo institution k'ap recruté k'ap chercher moun pou yon poste yo pa mandé k'ap chercher tel yo di k'ap chercher moun pou yon poste yo décrit ki poste lié yo bay profil et puis yo bay ki profil moun y'ap chercher pou poste ça et puis c'est après ça y chercher candidat donc là konn yo fait l'inverse là ou mettez candidat avant c'est intel là ou mettez avant ou pas chercher ki ça le pral faire ki mandal li vinn rend situation difficile pour jeune négociation pour jeune accord pour un avocat ou mettez li dans un tribunal pour appeler des dans ce sens ça donc ils ont risqué perdurer et sénateur Kilbastien parce que de 2016-2017 à aujourd'hui débat pas changé c'est presque même Mounio qui a fait la même exigence, c'est toujours le même monde pour X comme président, pour Y comme premier ministre. Donc on n'est pas au bout du tout. Mais c'est que ça qui passe là, en tant qu'homme d'État, qu'on a pouvoir, qu'on a opposition, il faut que faire autocritique pour faiblesse ou bien limite nous. Avant nous, cette capacité aujourd'hui. Ça veut dire, après un mois, nous avons une capacité ça pour une solution par rapport à gens qui ont pire, nous humilié là, dans les gens qui ont éliminé. Tu es assassiné au président, qui m'a mauvaise image. Il dit que c'est la preuve que le problème n'était pas réellement Jovenel Moïse. Non, il n'a pas qu'à poser, n'a pas même posé le constat. Ça, c'est l'autre volet ou pas le poser. Le problème, non, qu'on y a que, mais Jovenel Moïse pas là. Il était qu'à Jovenel Moïse tout, parce que. Mais on t'a parlé ça avant, parce que bon, nous avons que le président Jovenel n'était pas là le 6-7 juillet, qu'il était allé le 7 février 2022, qu'il était allé dans l'autre date de la négociation que tu as fait l'aller, mais il faut te préparer un bagaille, parce qu'on connaît que le moment qui est le pape là encore. Faut qu'on ait le pape là encore. Ça veut dire depuis aujourd'hui, à 7 février 2022, même si tu as préparé pour 7 février 2022, pour position, ça a été supposé là, pour que la transition, pour que tout le monde donne un document, et ça que tu as pas le gain, c'est pas discours que tu as pas le gain dans la radio. Contre Jovenel, contre PHK, son discours a fait promotion de nouveaux projets sociaux que nous voulons mettre ensemble. Non? Donc, là, ça pour tout le monde connaît, tout pour nous répéter dans différents domaines, mais qui ça,
l'ensemble de classe politique et société civile là d'accord qui pour permettre que qu'on ait à nous dit pays ça faut que comme c'est dans un moment arrivé pour nous ballons l'autre direction. Nous avons un problème en Haïti sur le plan politique, sénateur Bastien. Donc pas ni un visage qui quelque part représente l'opposition. En par exemple en Venezuela, pour qu'on ait gagné Juan Guaido après le président Maduro, c'est-à-dire on moune pour discuter avec lui. Sur le besoin de faire équilibre sociopolitique, on ne sait pas, et diplomatique là. Mais en Haïti, on a tellement de têtes, tellement de leaders, trop de leadership, dit-on, tue le leadership, c'est ce qui se passe aujourd'hui peut-être. Et l'inverse cas aussi vrai. L'inverse cas aussi vrai qu'au cas gagné, il y a un leadership qui est pluriel. Côté quoi, il y a 3, 4, 5, 6 leaders d'opposition, mais qui entendent, yo, les gens ont une décision qui pour prendre, décision nationale, côté Oshita, ils décident ensemble. Mm-hmm. Donc, dans le cas où on dit, pas gagné, on est l'autre. Ça veut dire que pas grand grain là parce que ça arrive dans pile pays gagne un monde même s'il y a plusieurs oppositions mais au côté chita au désir y a un monde qui peut porter parole là ou qui peut porter projet monter qui n'a pas gagné qu'on a gagné 4 5 leaders un conseil par exemple un conseil mais qui connaît que yo kembe autonomie yo yo kembe indépendance mais quand il s'agit de décider sur un bagage qui national un bagage pays bon côté pour chita et puis on décide ensemble. Il a décidé comment, il a choisi comment il a décidé. Si c'est consensus, en général, dans le cas où il y a un vote, c'est consensus qui arrive à joindre, parce qu'il faut avoir une concession, etc. Mais qui montrait que, d'un côté, il y a un chita qui fait, qui montrait que, ensemble, n'a pas une responsabilité sur des problèmes et communs, des défis communs que le pays a traversé. Exemple. Je dis, autant il y a parlé de tribunal spécial pour Jovenel Moïse. International, surtout. International, ok. Pas aucun problème sur ça. Parce que, bon président qui m'a condition de mourir, il faut que nous jouions la vérité. Mais si nous menons nos batailles comme leader politique, pour que nous arrivions à jouer la vérité, pour nous faire respecter le droit de monde, tout bon vrai, il y a un bon lot à crime, assassinat qui fait, qui méritait même approche là. Parce que massacre la Saline Belair, c'est Nations Unies qui a déclaré qu'il y a deux monde qui était responsable. Et là, ça, c'est mettre mon frère d'Oval, Antoinette Duclerc, et Diego Chal, bah, assassinat journaliste, c'est pas bagaille jouette. Est-ce que nous pas tout profiter, mettre ça au nom package, pour nous donner un support technique international là, pour nous donner la vérité? Parce qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on a posées. Assassinat d'Oval, en passant par massacre Belé, massacre Matissan, etc. Delma 32. Est-ce qu'il n'a pas gagné une structure d'État qui t'a entretenu forme théoriste ça? Est-ce qu'il n'a pas lié tout à l'assassinat Jovenel là, qui a permis de nous joindre tout coupable en même temps? Parce que pas isolé, c'est parce que comme si nous sommes citoyens, ou bien c'est malheureux qui belait, ou pas même droit. Et massacre qui fait yo là, par rapport à quantité de monde qui mourit dans la période là, pendant que le pouvoir qui est en place, c'est le monde qui a un pouvoir qui la donne, comment vous avez, comme responsable d'État, ou à demander justice seulement pour le président Jovenel, et pour pas tout profiter et mettre le monde dans le même paquet déjà. Mm-hmm. Donc il y a une question d'éthique, une question de moralité, et que qu'on y a ensemble d'acteurs opposition, yo, nous devons supposer mettre ensemble, parler d'une seule voix. Ce sont les lettres qui pour faire tout, nous faire même lettre là pour nous faire une revendication ça, ou bien pour une proposition ça. Et que l'heure qu'on y a, d'ailleurs, ce que je ne suis pas trop d'accord, le nègre a rencontré Green pour le ministre Ariel, parce que ça n'a pas posé problème. Non, c'est un bagage personnel qui a pas réglé. D'ailleurs, l'heure qu'on a rencontré, on va mettre des sacs discuter, pas un rapport à la presse. Mais l'heure qu'on y a ensemble, acteur ça, on a rencontré les gens pour rencontrer, ils ont posé problème ça, et ils ont prouvé qu'on y a. Ce sont questions de droit, on n'a pas parlé. Droit, on a, le président de la République, pour lui, il n'a pas un problème. Parce que c'est le président de la République qui est dans la condition que l'assassiné à l'étranger rentre la donne. Mais ensemble de l'autre, mounio qui mourit, c'est mounio et tout yon, dans la condition mou qui va jamais gagner vérité sur yon. Et puis pour voir que yon ministre, son premier ministre, a demandé l'international pour qu'il vienne faire un tribunal spécial pour ça, alors qu'il n'a jamais fait allusion à ensemble de l'autre mounio, ensemble de massacres qui n'ont pas d'explication et qui n'ont pas gagné vérité sur yon. C'est la preuve que la justice haïtienne est morte. Non, non seulement elle est morte. Et bon, il est faible, mais c'est une preuve que, a posteriori, le PHTK lui admet après 10 ans, il va connaître que la justice est faible, il a cherché aide de l'autre côté. Mais après 10 ans, la réforme judiciaire n'a pas permis d'arriver là. Après 10 ans, il n'y a pas un juge qui a fait enquête sur Doval, il a retiré la sécurité, il a retiré la machine, etc. Alors que c'est le même pouvoir qu'il a. Qui est-ce qui a retiré? C'est le même pouvoir. Pour bailler droit ça, pour jouer une sécurité et pour jouer une machine. Il n'y a pas de personne qui pose des questions ça. Donc, quand on y a là, dans une situation de faiblesse comme ça, et Jean Carr vient paraître là, comme ou par contre, qui est qui est responsable? On va comprendre qui est qui est responsable de ça. Il y a une enquête qui te permettre que au niveau international, j'ai demandé pour mettre Doval, etc., qui ont recul et qui baille capable de certaines objectivités, qui pour éviter on sait des biais, parce que la justice a jusqu'à présent pour nous reconnaître. Non seulement faible,
Mais nous connaissons que justice ça, il va saliser. Il va saliser par rapport à toute jeune nouvelle décision à prendre, regarder comment Anel Bédiz est dans la prison, etc. Bagay, ça, ouais. Donc, il y a un ensemble de bagages qui t'a pour faire, qui t'a aidé nous venir la vérité. La vérité, non seulement sur Jean, président Jovenel mourir, mais la vérité tout sur Jean Dorval mourir, sur Jean Antoinette Duclair mourir, sur Jean Massacre La Saline en fait, Massacre Belé, Massacre Delma 32 fait, et puis nous connaissons que disposition par le point pour que bagay, ça ne va pas répéter encore. Mais si vous permettez, moi, l'autre volet, moi, je ne vais pas me poser sous question et la mort du président Jovenel Moïse. Son volet technique m'a parlé. Je suis pas spécialiste en sécurité. Mais après, je vais dire. Il faut qu'arriver, garder comment les gens ont fait rentrer jusqu'à ce que yo assassiné le président Jovenel. Garder le système de sécurité en président. Pas le système de sécurité président Jovenel. Et le pire, il est le seul sauvé. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est sa peau. Premièrement, dans cette situation. Pour venir garder. Quand il y a un président arrêté. D'ailleurs, on chaque n'est pas qu'un président pour ce qu'il y a privé là pour servir comme cas officiel. Il faut regarder le cas de président arrêté, le système de sécurité comment l'organiser, de A jusqu'à Z, qui responsabilité chaque monde, ou le conseil SPN qui était là, le directeur de la police, le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le premier ministre, comment qu'on y a, qui rôle a joué pour que la prochaine fois, le pas de bon président, le pas de l'autre président, pour que type de bagage ça ne va pas répéter encore, pour nous détecter toute faille qui gagne dans sa loi et qui permet que qu'on y a des leçons qu'on tire et pour renforcer le système de sécurité. Parce qu'il y a le président et la présidence. On en parle après la pause, sénateur Kéli Bastien, mais certainement, nous voulons, aujourd'hui, qui ça doit être fait pour ce type pays de chaos, ça lié là dans l'Alliance, ça nous est l'empereur de Kachouboumbé, ça. C'est le temps de la pause, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous le sénateur Kéli et Sébastien, ancien président de l'Assemblée nationale, homme politique, on apprécie et comprendre paramètres de crise aujourd'hui. Donc, pour nous, qui s'est fait ici et maintenant donc, pour pouvoir sortir le pays du chaos actuel. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons.